Le cinéma, c'est également savoir en capter les origines afin de mieux le comprendre et ainsi mieux sonner en adéquation avec son époque et surtout savoir ce que les spectateurs peuvent en attendre. Le réalisateur dont on va parler aujourd'hui est un auteur de cinéma à l'ancienne comme on n'en fait plus. Martin Campbell est un réalisateur d'origine néo-zélandaise qui officie dans la production audiovisuelle depuis maintenant près de 44 ans tout de même. Dès ses débuts, ce cinéaste a été passionné par le genre de l'action, un genre qu'il n'a jamais cessé de chérir et qui le passionne profondément au point qu'il a choisi d'en faire le moteur de sa filmographie. Au fil de son œuvre, il a souhaité démontrer que le cinéma d'action se devait de comprendre ses origines pour mieux sonner avec son temps, et c'est ainsi qu'il a toujours fait ce que l'on pourrait nommer du cinéma d'action à l'ancienne, galvanisé par une énergie créatrice profondément ancrée dans un aspect old school qui lui redonne ses lettres de noblesse et fait ressortir ses qualités premières. Campbell, c'est le cinéma d'action dans ce que celui-ci a de plus fidèle, de plus religieux, de plus efficace et de plus créatif. Il est un de ces derniers titans à concevoir le cinéma d'action comme un objet de rythme et d'efficacité cinématographique. Intense, nostalgique d'une époque et souhaitant surtout jouer avec l'essence même de ce genre, son œuvre en est ainsi gorgée et galvanisée. Si l'on fait bien attention, il a créé ces dernières années des films d'action qui n'ont pas forcément trouvé le succès auprès du grand public, mais qui en un sens ont réussi à capter ce que beaucoup de cinéastes aujourd'hui refusent d'admettre, le cinéma d'action est devenu beaucoup trop moderne et ne comprend plus l'essence même de sa création. Pour faire simple, Campbell voit dans le cinéma d'action une forme de puissance et de tragédie qu'il se doit de retranscrire en allant dans l'idée d'un pur mouvement de cinéma brut et créateur, jouant ainsi avec le rythme de ses œuvres, mais surtout avec l'essence même d'une mise en scène, cherchant à transcender la conception scénographique d'une séquence d'action. Chacun de ses films est porté par une énergie que l'on ne retrouve aujourd'hui que chez très peu de cinéastes. Une énergie qui pourtant a toujours porté les auteurs aux commandes de ce genre. Une énergie passant par le rythme, passant par la forme et la longueur du cadre, mais surtout une énergie qui se ressent sur un plateau de cinéma. Car oui, Campbell est de ceux qui considèrent qu'un bon film d'action se doit d'avoir le plus possible d'événements tournés directement sur un plateau et non pas réalisés en post-production avec du montage à un fond vert. Et c'est peut-être cela qui a fait la plus grande force de ce metteur en scène, c'est qu'il veut absolument aller dans cette direction et montrer la puissance de ses personnages et de leurs actions. Car oui, Campbell est passionné par la force brute d'une vengeance, celle d'un personnage sur un autre, celle d'un protagoniste face au temps, celle d'un héros cherchant à combattre l'inarrêtable, soit l'essence même du mal, celui qui vient de l'intérieur, celui qui trahit son prochain, celui dont on ne peut finalement que détruire la surface, et non le cœur même. Le cinéaste néo-zélandais a fait de sa filmographie un moment intense et passionnant où l'ancienneté d'un cinéma d'action pur rencontre la modernité d'une violence terrible et dure à confronter. Ainsi, son œuvre, au fur et à mesure que les autres changent et que lui reste fidèle à ses principes, prend de plus en plus d'ampleur. De long métrage en long métrage, de sujet brut en instant violent, Campbell parvient à saisir une puissance et une horreur macabre au cœur de ses films qu'il est parfois difficile de soutenir, mais qui avant tout est humaine et ainsi touche presque tout le monde par cela, rendant ses sujets universels et ses vengeances toutes plus nécessaires les unes que les autres. C'est cela qui fait la force de son cinéma, mais c'est également sur ce point-là que la plupart de ses détracteurs se basent, estimant que de par ses sujets et la manière avec laquelle il les traite, son cinéma est trop simple, archaïque, voire même en totale inadéquation avec son temps. Mais au fond, Campbell est simplement un auteur qui cherche à raconter des histoires difficiles de manière claire et surtout intense. Plonger dans le cinéma de Martin Campbell, c'est laisser un auteur passionné par un genre en faire le terreau parfait pour en saisir les codes originels. Campbell est un auteur qui a fait de ses œuvres des objets d'action comme plus personne n'en fait. Et tant mieux d'ailleurs, puisqu'en la matière, sa passion le fait exceller et dépasser la plupart de ses nombreux enfants spirituels.